Les Congolais de télévision de partout, beaucoup l'andabiso, tout comme Beta Masola Mboka, Ndenge Tolobaka toujours, Masola Mboka, Beta Makana Banamboka, de partout vous nous suivez à ce net moment, tout comme Beta Masolo. Lelo Oyo, le communiqué signé par la cellule de communication, et pas Yamona Mboka, Eric Nindou Oyo, a s'occuper de la communication à chef de l'État et à la présidence de la République démocratique du Congo, conformément à des centres Yamona Mboka Félix Antoine Tshisekedi Nangambo et Kisangani pour na. Pour commémorer Génocoste, le 2 août, chef de l'État a une indisponibilité à se présenter. Pourquoi sa santé a un problème? Les Oyo, tout ma solo. Parce que, na précédente et numéro de l'émission, tu as dit que tu as dit que tu as dit opposition à as dit que tu as dit que défi Oyo la République démocratique du Congo est allée dans Yango. Mais le la santé du chef de l'État préoccupe la nation tout entière. Et aujourd'hui, il y a là qui message. Il y a un prophète de la République démocratique du Congo. Oh, il y a ça l'appel. Le chef de l'État, il y a été guérison. Il y a maladie, il y a libanais, il y a un mais il y a la République démocratique du Congo. Il y a un le prophète de Benjamin. Donc, il y a solo par rapport à l'actualité de la République démocratique du Congo. Il y a un mot. Mbote mingi de konangai journaliste Olivier, na pesi ba Congolais nyon sombote, shalom, bonjour, bonsoir, et si tout, ba obozo la nabiso en direct. En tout cas, le Congo, comme votre émission c'est Congo Live, hein? Tout à fait. Alors, le Congo c'est un pays prophétique. Et lorsque Tozali na pays prophétique, à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des circonstances, il faut consulter Dieu à travers ce prophète. Et donc, eloko uti koloba, toye pona koye bisaba Kongoman, et plus particulièrement, Mokonzi ya Mboka, notre frère le bien-aimé, le président Félix Tshisekedi, toza ko souhaite ye ba bonne guérison, mais ekoko osale ma isika azalite. Ainsi dit l'Éternel. Comment? Oui. Oui. Dans Claire et Zali Boye, la parole de Dieu dit ceci, ce qui moutouazo bela, il faut consulter Bampaka. Mais Congo, ezali na Mpaka ya Bampaka. Parole de Dieu, lobi que ce qui osobe là, il faut qu'il y ait un ange intercesseur ou akobonde la ponali. Mais to zongi na prophétie, nenge oti ko lobangai prophète Benjamin Kawanga na Ebi Sakayi, que nazali incarnation ya Simon Kimbangu. Tozongi na ba prophétie à Kimbangu. Kimbangu a dit ceci. Les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs. Tout à fait. Cette dissertation prophétique nécessite que les prophètes que je suis, que nous sommes dans les fondements prophétiques, pour nous expliquer en gros, qu'est-ce que signifie les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs. Tokena aspect autre, c'est que vous appelez l'aspect sanitaire. Les noirs deviendront les blancs, c'est comment? Hier, la majorité des noirs, dont les Congolais en particulier, cherchent la santé à l'Occident, à l'Europe. On a besoin de guérison, on a besoin entre guillemets, kobika. Et lorsque nous voulons, et nous devons appliquer cette prophétie, ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, baole ba kenaka koluka lobi kona Europe ba kokende lisusu koluka lobi kwa Europe et les blancs et les autres et les occidentaux et les asiatiques ils vont venir trouver la santé au Congo. Voilà le mystère. Les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs, parce que la solution de l'humanité c'est au Congo. Tout à fait. Et donc pourquoi au Congo? Parce que le Congo a une visitation divine à travers celui que Kimbangu avait dit. Kimbangu a dit un grand prophète viendra. Un grand roi divin viendra. Mais ce qui l'élo na yebisio kinga nazali incarnation à Simon Kimbangu, le représentant de ce grand prophète. Mais Kimbangu a guéri toutes les maladies. Kimbangu a sécu sa prébaro wa koufi. C'est qu'on n'a ni to kotika mokonzi ambo kanabiso a kende ko se soigner et si kaba oyo. Que Kimbangu a dit, Banzambe ya bapaya. Parce que la science, même la sanité, ce que vous appelez la médecine, travaille aussi avec la spiritualité.
Lorsque vous allez chez le médecin, dégabande comme sous ba kendaka, Asie, Wapi, Inde, sachez bien que besoin le kaka ta santé te ndenge besoin le kaka besoin même après milimo ya bamboka wana. Alors que le Congo ne peut que consulter son Dieu, avoir la véritable guérison. Et donc, maintenant que Emmanuel est tout, le grand prophète a une certaine joie pour la Diawa, est déjà là au Congo. Information sur le Pessara, Bande Kanabis, Bala Mabisson, Nabo Kébiaka. Ceux qui me connaissent, je suis le prophète Benjamin Kawara, un activiste de mouvements citoyens, un grand combattant. J'ai beaucoup féliciter et remercier le chef de l'État pour l'initiative et appliquer des consultés ou pour proclamer les génocides congolais. Parce que ce fut notre lutte, nous, les mouvements citoyens, on a commencé. Et je me rappelle à l'époque que là, tu m'as dit que nous, les mouvements citoyens, les réunions sur Nicole Kabila et les autres, on a réclamé que génocide congolais, ils ont proclamé de manière officielle. Ils ont reconnu de manière officielle. Mais difficultés à qui tu étais l'année passée à Kisangani, vous avez mis que nous sommes à tous trois ans à la province. Tant que nous avons à Kisangani, je fais des conférences, je m'attendais vraiment à la chambre de Kisangani, mais pas à la chambre de l'État comme à Kisangani. C'est-à-dire, c'était une consolation, c'est-à-dire un chiffre de reconnaissance d'une souffrance qui a duré, non seulement les frères de Kisangani, mais pour nous tous les Congolais, parce que nous devons d'abord reconnaître, officialiser ces génocides que l'Occident injuste, satanique, parce qu'on reconnaîtra pas pour le cadavre. Maintenant, cette cérémonie-là m'avait beaucoup intéressé. Mais malheureusement, quand on a besoin de communiquer au lobby, j'étais triste dans le lobby. Oh, comment le frère Azazel Kazoua? Comment le frère Azazel Kazoua se voit? Moi, quand tu es congolais, tu souffres parce que le frère Azazel Kazoua est tué. Et la communauté ne veut pas le connaître. J'étais triste. Et maintenant, je suis en paix. Dans le spirituel, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur m'en a parlé, mes frères et sœurs. Il dit, mais, prophète, je vais te connaître la solution. Tu as la solution avec toi. Ton frère est bien le père de l'État là-bas. Alors que le sage est ici. C'est-à-dire, papa Kassani. Oh, ils ont beaucoup de la maladie. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est-à-dire, il y a un spécial qui a un exemple de spécial. Un hôpital de salle de médicaments. Un hôpital de guérir avec la parole. Quand on commence à être la parole, c'est l'hôpital Emmanuel Tobi. C'est-à-dire, il y a un grand prophète. Un grand prophète. C'est lui qu'on attendait, le véritable sorcier qui guérit toutes les maladies. Pour votre formation, la plupart de nos frères et sœurs qui guérissent notre joie pour soi, guérissent son âme. Si vous ne voulez pas que vous ne soyez pas là, à ce que vous ne soyez pas là, mais ce n'est pas la première fois, mon amour, c'est pas la première fois que je suis assez rond pour on comprend bien. Et surtout que arriver à chez l'État à Kisangani, c'était vraiment une terre d'espoir. Il y a Kisangani, Le même est de la mission de la communauté. Avec la santé de l'État,
qui va mal selon les informations. Maintenant, la solution pour sa guérison. Écoutez, vous allez voir ou pas? Vous allez en position majorité, vous allez en position. Et ça va se faire même dans la langue. Et ça va se faire. C'est lui qui représente la nation. C'est lui le peuple de la nation. Est-ce que c'est Nat Mayo, papa Mayo, Azobé, le président de la nation? Sauf que tu n'as pas Azobé, la moi, je suis pas la nation. Donc moi, je ne suis pas de l'ennemi. Je ne suis pas de l'ennemi. Quand on est la nation, si tu n'as pas été la nation, dans les cieux. Et le ciel nous a donné la solution. Où tu le connais pour moi? Et ça, pour la solution. Oui, oui. Mais chaque chose a son temps. Il y a une idée, il y a une fête. Deuxième chose. Il y a une parole qui dit que mon peuple est venu par ma reconnaissance. La zone qui est venue dans la Bible. Au moins, tout ce qu'on a écrit dans la Bible, ce n'est pas la base de ma foi. Et c'est là qu'il y a un peuple qui est venu dans la Bible. Par quel point est-ce que ça va se faire? Même les miracles que Jésus a fait, qui sont écrits dans la Bible, ce n'est pas la base de ma foi. Il y avait un groupe de gens dans la même monnaie. C'est comme ça que moi qui suis un témoin vivant, un témoin de clair, j'ai le devoir de l'obligation. Donc, ceux qui cherchent la même monnaie, c'est pas qu'ils arrivent par l'Oise, deuxièmement, c'est parce qu'ils arrivent par l'Oise. Voilà pourquoi l'information est liée maintenant. De Dieu, de Dieu qui s'appelle Emmanuel Gould. Voilà pourquoi la Bible de Nazareth si cherche l'État, mon frère. Félix Satan Tshisekedi. Son âme va nous faire aujourd'hui. Ici, il y a la lobby qui a été discutée. Et ça va nous faire un homme comité. Fais là, nous ne sommes jamais vus. Et ce matin-là, la première lobby, 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 la Il dit, l'homme a commencé juste un mot. Je vous dis, ce qui a existé, c'est ce qui existe aujourd'hui. La personne qui a dit la Bible, Ici, je parle de la guérison totale et parfaite. Qui est l'enjeu de la que les gens ne savaient pas. Voilà pourquoi je suis venu de l'exemple. Dis c'est clair, vous avez fait le prophète de Bambou. Je ne peux pas vous informer. Pour que mon frère, il n'a pas la guérison du sida. Il n'y en a pas. Parce qu'il pense que l'Occident, Dieu est là. Il n'y a rien là-bas.
Il n'y a rien là-bas. La solution est ici, mes frères et sœurs. Que le chef de l'État va en paix rapidement. Tu me dis là, mon frère, il y a une guérison. Deuxièmement, nous avons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, institution. L'appel que vous faites aujourd'hui, si le chef de l'État prête aussi l'oreille et se présente auprès de vous et qu'il n'ait pas la solution. Très bien. Je vais vous répondre rapidement. Premièrement, on a dit qu'on répond à l'inquiétude. Il y a le phénomène des faux prophètes, où nombreux sont des faux. Et la solution, la Bible dit ceci, ce qui a été arrivé à ce temps-là, arrivera. Je vous prends un exemple de la Bible. Élie est le prophète de Baal. Élie était en face de beaucoup de prophètes. Il y a tout ce qui est le prophète de Baal. C'est comme la plupart qui se disent être les prophètes aujourd'hui. Mais moi, je peux vous le confirmer, ce sont les prophètes de Baal. Mais il fallait qu'il y ait une circonstance, une épreuve, Élie à Salakina, le prophète de Baal. Et voici une épreuve. Comment tous ils se disent qu'ils sont prophètes, mais ils laissent notre frère, alors que les connotations, et si tu as des kitistes d'ailleurs, il y a un problème. Maintenant, là, le problème étant là, il faut maintenant. Donc, pour la preuve, pour nous faire un examen, et preuve, on peut permettre de faire un bâton. Qui est le vrai prophète? Qui est le véritable prophète? Qui est le véritable voici l'homme? Et donc, je vous dis, il est là, Emmanuel Dodi. Alors, on tourne, on tourne à Chico, ce qui a eu à la Kakasiko, oh mon Dieu, mon frère, à la Kakasiko. Et comme à Koya, à Kozoa, le but, j'ai dit ceci. Mais je tiens ma Bible, amen. Si le président Félix Tshisekedi venait ici, au Congo, et qu'il ne reçoit pas la guérison, voyez-moi, je tiens ma Bible, amen. Vous savez la personne à laquelle vous êtes en train de dire, c'est la première institution républicaine. Je tiens ma Bible, amen. Le président Félix Antoine Tshisekedi vient, il raconte le grand prophète Emmanuel Dodi et qu'il ne reçoit pas la guérison. Je répète, moi le prophète Benjamin Kawala, si le président Félix revenait maintenant là, il raconte le grand prophète Emmanuel Dodi, s'il ne reçoit pas sa guérison, commets-tu? Et donc je confirme et je mets d'ailleurs mon numéro. Et voici mon numéro 085 ou plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Moi-même, si m'appelais maintenant là, je vais faire une prière seulement que les infirmiers font. C'est-à-dire une prière d'ouverture. Mais la guérison, il faut qu'il vienne raconter cet homme. Emmanuel Dodi. C'est lui qui va nous donner la guérison. Je dis bien une guérison totale et parfaite. Voilà, merci beaucoup mon amour, prophète. Ce que ça ne mettait pas comme ça. Voilà, c'est votre avis et message écrit là-bas. Et pas pour ne pas voler d'ambition et message pour vous. Oh, les cas, vous la même approche, Naye, et ceux qui sont là, comme c'est l'ancien copain, et Kabongo. Nabandi, la situation politique, parce que tout le chiquet n'a pas tout ça. La situation politique, hier, on a vu quand même les gens. La résidence, il y a Gélène et Maman Oulou.
Ce qui n'a plus été une histoire, parce que vous avez eu à prophétiser en avant, dans l'émission Il est cas. Vous avez eu à prophétiser dans le monde par rapport à la province de Kinshasa, pour la Jean-Denis Bimila. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas maman Bon, mon frère, je suis un prophète des nations. Je parle de la politique. Je connais la politique parce que les trois, les grands rois divins, Emmanuel Dodé nous enseigne l'Ecclésiaste, la politique, la science. Mais je vais peut-être même pas m'excuser, mais j'aimerais que nous puissions focaliser notre temps sur la guérison de notre bien. C'est le nôtre. C'est notre frère, le prophète et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que d'autres choses là, ce que je peux vous dire, ou dire à maman Olive ou aux politiciens, d'abord, Olive doit savoir ceci. Personne n'a le pouvoir de faire quelqu'un qui devient président de la République. Personne. C'est le Dieu qui a le pouvoir. Car il est écrit, il te produit ses yeux. Même si maman a été utilisée pour la guerre, et quelqu'un ne peut jamais devenir chef de l'État. On est né président de la République. Je suis. Et lorsque vous n'êtes plus, vous n'avez pas le droit de croire que c'est toi qui es le faiseur des lois. Ça c'est. Alors, le reste, c'est ce que moi je peux donner, c'est un conseil. J'aurais les gens qui m'ont parlé de ça. Le conseil, c'est que. Quel est le politicien sache ceci. La politique n'a jamais été créée de même façon. La politique c'est le Dieu. Et Dieu est au Congo. Et donc, il doit cesser d'organiser des histoires mensongères pour se justifier par ces histoires. Et tout ça, c'est parce qu'ils ne sont jamais questions. Et voilà, mes sauveurs sont là. C'est lui qui m'a voulu prophétiser là. Baya, Bajwa, Lobi. Ça veut dire que maman, nous vivons à Bajwa, et les femmes, c'est quoi Emmanuel Zouti? Maman, Papa, journaliste, mais moi, en tant que prophète des nations, je m'intéresse beaucoup plus à ce moment-ci. Je suis focalisé sur les choses de l'État. Les chefs de l'État doivent être guéris. Ça guérit le Congo, pas en Belgique, pas aux États-Unis, pas en Inde, pas en Chine. Ça guérit ici au Congo. Et quand les autres. Frères et sœurs, qui suivent, qui sont en Europe et ailleurs, qui sont en Congo, qui sont expérimentés, demain, vendredi, à 18h, vous allez trouver l'homme de Dieu, mais pas l'homme de Dieu.
Les corps que Dieu s'est fabriqués, Emmanuel, pour recevoir la bonne nouvelle. Donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, mes frères. Amener mes frères à recevoir ce que moi j'ai réussi. Même les gouvernements, pour qu'ils réussissent, à avoir mon Emmanuel Dodi. Solution. Amener à la réussite. Mais il y a des solutions qui vont permettre de faire mon Emmanuel Dodi la réussite. Je ne crois pas. Merci beaucoup d'avoir été à tous les fêtes de ce matin pour la télévision, parce que il fallait quand même informer sur tout ce qui se passe dans la 4e République démocratique du Congo. Vous allez aussi avoir dans le prochain numéro aussi parler de la situation politique et République démocratique du Congo. Donc le bureau définitif, il y a Sénat où il est bien lié dans la Congo et voté. Voilà, les gars, merci à vous.